Plus les esprits sont évolués, plus ils ont la compassion. Et la compassion naît d'un sentiment de relation ou d'interrelation dans lequel on peut faire quelque chose. On peut agir. Dans lequel on est capable, une relation dans laquelle on est capable d'agir. Et donc leur perception devient de façon immédiate une action. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Il y a un moment de tristesse, c'est un moment de compréhension, de constat clair d'une situation. Mais immédiatement, là, c'est la compassion qui se met en place. La tristesse, c'est simplement le fait d'accepter l'état d'un autre. Et pour pouvoir faire quelque chose, on est obligé de le comprendre. Donc, il faut le vivre un instant. Mais comme ce sont souvent des états illusoires, lorsque l'esprit cherche la réalité de cet état, il ne le trouve pas, parce qu'il n'existe pas. Et les êtres humains vivent dans beaucoup d'illusions. C'est pour ça que les grands esprits, quand ils essayent d'entrer en contact avec ces humains, ils ne trouvent rien, c'est vide, c'est creux. Il n'y a rien, il n'y a qu'un monde d'illusions. Et ça c'est la raison aussi pour laquelle les êtres humains ne peuvent pas avoir de contact avec les grands esprits. Puisque ces êtres humains s'approchent des grands esprits avec leurs illusions. Et c'est vide, il n'y a rien. Et le chemin est un exercice, et fait d'exercice pour devenir plus réel, pour être vraiment. Et le principe est aussi que tant qu'il y a une dualité, c'est-à-dire une division entre toi et l'extérieur, et toi et les autres, donc tant qu'il y a un jugement, tant qu'il y a une critique, tant qu'il y a des attitudes de rejet et pas des attitudes d'accueil, c'est sûr que tu es dans l'illusion. C'est ça ce que les hindous appellent la maya. La maya existe chez tous les êtres humains, sauf chez celui qui l'a dépassé, donc celui qui s'est éveillé. Mais tous les autres ont aussi le droit de vivre. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les niveaux d'existence. On ne va pas reprocher à une fourmi d'être une fourmi. Elle vit à son niveau et elle a certainement une place. Et les chiens, c'est pareil, vivent à un certain niveau. Ils ont une place. La majorité des êtres humains vivent dans l'illusion et la maya. C'est comme ça, ils ont une place. Et puis parmi ces humains, il y en a un qui décide de vivre, d'essayer de vivre à un autre niveau, qui est celui de l'éveil, de la réalité spirituelle. Mais tous les niveaux sont ont le droit d'exister. Et pour nous, ils sont d'un certain point de vue respectables. C'est pour ça que nous n'adressons par exemple un enseignement qu'à ceux qui le veulent. Hmm.
Et nous n'imaginons pas que ça pourrait s'adresser à d'autres qui ne le veulent pas, mais non.